One, two, three, four. Salut à tous, c'est David. On se retrouve sur mon ordi cette fois-ci pour faire le tuto de comment craquer Dead Space 3. On va tout de suite se rendre sur les liens qui seront dans la description. Et puis voilà, ce sera tout. Non, je déconne. Je vais aussi vous expliquer un peu comment faire, hein. Le lien sera dans la description. Si vous voulez pas aller dans la description, si vous avez trop la flemme, vous pouvez en même temps regarder ce que je fais et vous retrouverez facilement les liens. Vous allez vous retrouver sur cette page, donc pour le torrent du jeu, vous allez cliquer sur Download Torrent. Donc ça va télécharger le torrent. Donc maintenant je suis sur Google Chrome parce que ça marche mieux. Et donc je vais pas faire le torrent. Voilà. Et quand vous aurez fini de télécharger, vous allez. Je suis bête. Non. Vous allez après vous ouvrir l'emplacement du fichier. D'habitude, ils sont là. C'est, je suis sur lui, cette session. Donc voilà, il sera ici. Dans les téléchargements. Quand il sera ici, vous faites un double clic. Et uTorrent va. Si vous avez uTorrent, autrement, vous savez comment le télécharger. Hein, il est gratuit sur le site du Torrent. Et tout sera bon. Donc là, c'est DxStory, logiciel de capture. Voilà, c'est parti. uTorrent va se lancer. Il va vous afficher cette page. Donc vous allez faire OK. Avoir fait OK, moi personnellement, je ne vais pas le faire parce que j'avais déjà téléchargé. Donc après, quand il sera fini de télécharger, donc quand ça sera sur terminé, vous faites ouvrir le dossier de réception. Vous faites continuer, vous n'inquiétez pas. Donc vu que moi ça l'a pas créé, ça va ouvrir par défaut cette page. Mais non, ça va vous ouvrir la page où vous avez choisi de le télécharger. Moi, il est Dead Space 3. Donc le voilà. Vous n'aurez que ce fichier-là et je crois celui-ci. Vous aurez que ces quatre fichiers. Donc vous allez sélectionner les deux archives WinRAR. Vous allez faire un clic droit dessus. Et faire extraire ici. Moi je vais faire annuler parce que je viens juste de. Moi je l'ai fait, hein. Moi je suis un kikoulol. Donc après vous pouvez supprimer les fichiers parce que ça sert à rien. Voilà, vider. Donc après vous aurez Origin Installer. Donc vous faites un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur pour être sûr que ça va installer tous les composants. Vous allez choisir votre langue, French, et votre dossier de réception où vous allez donc installer le jeu. Vous allez dans ordinateur personnellement, hein, vous pouvez faire la même chose. Ordinateur, disque local C. Et vous créez un nouveau dossier qui va s'appeler Dead Space 3, par exemple. Mais moi je vais mettre un chiffre en plus parce que je l'avais déjà fait. Je vais supprimer. Et quand vous aurez choisi donc le fichier, vous allez faire Install et ça va lancer l'installation. Moi je vais pas le faire parce que ça m'a pris beaucoup de temps, je m'en rappelle. Donc après vous allez dans le dossier crack quand l'installation est finie et vous allez faire copier. Donc, vous allez copier ce fichier et vous allez là où vous avez installé donc votre jeu. Donc c'est programme file. On va aller dans les D. Les D sont là. Dead Space 3, Dead Space 3. Et vous avez donc ce fichier là. Donc vous faites coller, copier, remplacer. Et voilà. Votre jeu est craqué. Il ne vous reste plus qu'à le lancer. Donc moi je vais pas le lancer parce que ça va me faire bugger mon ordi avec Anastasia. Voilà. Et non, il sera en français. Si vous avez des problèmes, par exemple, il n'est pas en français, il est en anglais. Un deuxième lien sera dans la description où il y aura le patch FR. Autrement, je vous le montre.com. Je suis désolé si je vous montre pas les étapes, mais vous pouvez me faire confiance, vous inquiétez pas. J'y joue dessus, la preuve que sur ma chaîne secondaire, je vais faire le patch. Voilà. On va se rendre dans les dés. Space 3. Voilà. Le prochain tuto sera donc sur le. Voilà, après vous faites télécharger, vous savez faire la suite. Après vous allez là où vous avez le télécharger.
sera donc compressé, moi. Donc ça va être DOSO3, tac tac tac. Vous faites clic droit extraire ici. Moi je vais faire annuler parce que j'ai déjà. Vous aurez ceci. Moi je l'ai copié dans le dossier d'installation pour être sûr de ne pas le perdre. Et puis dedans, vous faites un. Vous faites un double clic sur Dead Space 3 Patch FR. Vous pouvez le lancer en tant qu'administrateur, mais normalement ça devrait marcher. Si vous ne le lancez pas en tant qu'administrateur, vous faites après suivant. Et puis vous choisissez où vous voulez l'installer. Donc vous installez là où il y a le jeu, donc ici. Donc vous vous assurez bien que ça soit bien là où vous sélectionnez bien le fichier où il y a le Unstyle Core et Support. Hein. Donc ici, vous cliquez bien dessus et vous faites OK. Après vous faites suivant pour installer, mais moi vu qu'il y est déjà, et je crois que vous devez après copier ce crack dans le dossier, donc je vais pas le faire parce que moi il marche déjà en français, mais voilà. Donc voilà, je crois que ça va être tout, ça a été rapide en 6 minutes. Oui c'est vrai, je fais des vidéos plus en plus rapides parce que je veux pas trop perdre de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, likez, commentez et puis laissez un petit commentaire. Et mettez en favori si vous voulez, ça vous prend qu'une seconde et puis comme ça, grâce à ça, quand les personnes vont taper tuto Dead Space 3 crack FR, eh ben je serai dans la première page et pourront voir. Donc partagez avec vos amis et puis voilà. Et puis abonnez-vous si ce ne l'est pas déjà fait. Donc le prochain tuto sera sur Aliens Colonial Marines. Je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, à moins que ça soit déjà l'inverse, je sais pas. Ça dépend quand je mettrai. Quand j'aurai upload. Donc voilà. Allez, ciao à plus et puis portez-vous bien. Bye.